gars, et oui, bienvenue sur la chaîne Un Seul Olympique, et oui, encore du nouveau, du croustillant sur la chaîne, sur le canal, où il faut être absolument abonné, ne ratez pas ça les gars, et oui, OM Info Mercato, malgré la trêve hivernale, malgré cette trêve Coupe du Monde spéciale, inédite pour ce Mondial au Qatar, et oui, on va quand même parler d'Info Mercato sur l'Olympique de Marseille, et oui, l'Olympique des Merveilles, et oui, la légende, le plus grand club français, et oui, il n'y a rien à dire sur cela, et le club le plus aimé en France, et peut-être en Europe, le club français, ah voilà, avec les meilleurs supporters du monde, on va dire, d'Europe, voilà, voilà, bravo, dédicace aux supporters, voilà, on va revenir, et oui, il y a une info de ce mercato qui émerge en ce moment, donc c'est le départ de Luis Suarez, le cafetero, c'est oui, l'attaquant colombien venu de Grenade en Espagne, qui n'a pas su s'imposer à l'Olympique de Marseille et qui devrait normalement, sauf surprise de dernière minute, mais qui devrait quitter l'Olympique de Marseille. Et apparemment, c'est Elche. Je pense que Pablo Longoria, Don Pablo, et oui, Pablo Escobar Longoria, Pablo Picasso, l'artiste, je pense que il a pas mal de contacts avec le club de Elche en Espagne, en Liga, et voilà, je pense qu'il voudrait se défaire du contrat de Luis Suarez dès ce mercato hivernal. Et bon, l'attaquant qui a été acheté quand même 10 millions d'euros par l'Olympique de Marseille cet été, et voilà, qui ne devrait pas faire de vieux os sur la canebière et qui devrait partir normalement, peut-être ils disent à Elche en Liga. Bon, affaire à suivre, on verra bien, c'est l'info du jour. Voilà, on lâche pas malgré cette trêve, comme j'ai dit précédemment, on lâche pas quand même le mercato olympien. Et oui, on a toujours, et oui, c'est la chaîne Un Seul Olympique. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, les gars. Voilà, hop là. Et oui, voilà, appuyez, donnez la force un peu, les gars. C'est pas évident. Allez, voilà, donc Luis Suarez qui devrait partir. Et l'OM veut recruter absolument un attaquant. Donc voilà, on va voir. Il y a pas mal de, comme on a dit, de rumeurs sur Marcus Thuram, etc. On verra bien, mais lui, il veut pas revenir apparemment en Ligue 1. Et ouais, sans souhait, c'est bon, comme il a goûté à la Bundesliga, bon, pour le moment, ce dossier, on verra bien, quoi. On dit rien dessus parce que, franchement, comme le joueur, si le joueur, il veut pas venir, ça va être très délicat. Donc voilà, normalement, Luis Suarez qui devrait partir de l'Olympique de Marseille. Et là, l'Olympique de Marseille discute avec Mamba Dieng, le Black Mamba, l'attaquant sénégalais qui a marqué aujourd'hui et qui veut lui faire signer un nouveau contrat. Voilà, donc c'est l'info du jour. C'est la chaîne Un Seul Olympique, OM Info Mercato. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, les gars. Merci. Donnez le poumon, donnez la puissance, donnez le poule. Allez, ciao, les gars.